this channel clear, I'll update you with fresh intel when I can. For now, just figure a way into the complex. Good luck. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Romano pour la suite de Time Shift. Donc, on continue notre aventure et on va voir ce qui va se passer. Hein. Ça, après, je m'en souviens pas exactement. Peut-être que c'est dans celui-là qu'il va y avoir une petite énigme où j'avais un petit peu légèrement beaucoup galéré. Parce que ça ressemble à l'endroit que je pense. Mais bon, allez, on avance. Menace balistique. Ah, oui, bah oui. Bah oui. Alors, vous allez voir. Donc, déjà, j'ai droit à une petite sonnerie. Hein, pour dire, c'est sans sympa. Et en fait, vous avez plusieurs tourelles, voilà, qui lancent des trucs qui sont pas très gentils. Et donc, pour avancer, hop, une petite esquive, il faut venir là et appuyer sur X. Donc voilà, il faut. Alors ça, j'avais pas vu qu'on pouvait appuyer sur des boutons. Le truc, c'est que j'ai utilisé une technique, j'avais ralenti le temps, j'étais allé jusqu'au bout, je me suis fait démonter, j'y arrivais pas. C'était un truc de malade. Mais en fait, c'est super simple. Il suffit d'avancer et d'appuyer sur le bouton à chaque fois. Hop. Esquive. Raté. X. Voilà. Le deuxième est fermé. Alors je vous dis, il est possible d'y aller. Ouh, putain, ça fait mal. Je vais juste vous regarder ce qui se passe. J'ai réussi en ralentissant le temps à tout traverser, mais j'ai dû me cacher là. Et j'avais découvert par hasard en appuyant qu'on pouvait désactiver, donc j'ai été sauvé par là. Puis j'ai fini. C'est escape, double escape. Ouf. C'est chaud quand même. C'est quand même chaud, chaud, chaud. C'est stressant. Escape. Voilà. On a réussi. En fait, c'est... Bon, j'avais oublié qu'il y avait des mecs là-bas. Mais bref, vous avez compris que c'était relativement facile finalement, mais que quand on le sait pas, on galère un petit peu. Voilà, j'ai dû mourir à peu près 5-6 fois avant de comprendre ce truc ici. Allez. On avance encore un peu. Donc il y a encore des gens. Un de moi. Ah non, je l'ai raté carrément. Ah non, il arrive. Il y en a un qui arrive. Non. Hold on there. Staff only. Voilà, un de moins. Encore un qui arrive. Ok. Le mec qui ouvre la porte, ils viennent même pas. Là c'est relativement facile, hein, on va pas s'embêter. Alors cette fois on va se retaper les méchants en le faisant bien. Ok. Oh! Mais je veux rentrer! Je joue vraiment mal. Bon. Ah, mais je me trompe. Non, franchement, c'est un peu le cas. Ok. J'arrive pas à les voir. Eux, ils arrivent à me voir de loin, tranquille. Moi, y a pas moyen, j'y arrive pas. En fait, je vais attendre que ça remonte. Et dès que je le vois, j'arrête le temps, carrément.
arrive là. Ah, je l'ai eu. Un de moins et l'autre. Il est là. Voilà, j'ai réussi. Bref, on va pouvoir continuer. J'ai vraiment joué vraiment comme de la merde, hein, il faut le dire. Pas mal le bug, j'avais pas vu. Du sang. Ah, il a disparu. Ah non, il est là. Tu sens, bah, je sais pas comment dire comment il est, hein, j'arrive pas trop à indiquer, mais c'est pas beau. Bref, allez, on avance. Ouf. Donc là, on a un ascenseur, on va prendre, on va faire le plein de munitions, évidemment. Ok. Donc, on pourrait prendre l'ascenseur. En fait, je suis même pas sûr qu'il marche. Non, en fait, je pense qu'il doit pas marcher. Parce qu'il faut qu'on monte. Et j'ai pas le souvenir de prendre un ascenseur déjà. Bah non. Ouais, y a rien pour appuyer, donc c'est bien ça. Allez, on récupère les munitions. Voilà. Et est-ce que. Je suis encore en train de demander si c'est vraiment là où je vais avoir mon. L'énigme où j'ai galéré. Donc là, y a rien à faire. Faut continuer. C'est bien d'ouvrir de permettre d'ouvrir des portes mais qu'il n'y a rien dedans. Je trouve ça sympa personnellement. Allez, un de moins. J'ai raté l'autre. Ouais, c'est bon. J'ai eu son bras et ça l'a fait exploser évidemment. Ah mais non d'accord, ils ouvraient la porte juste parce que bah, c'est de là d'où viennent les gens. Après, ça aurait pas été logique d'un coup que ce soit fermé. Quoique, sécurité, hein, tu refermes tout. Enfin bref. Donc la carte est quand même super utile, on sait d'où ils viennent. Munition max. Ok. Donc il faut venir ici. Putain, j'aime pas les bonbonnes de gaz pas loin. Pour monter, oh, c'est de l'autre côté. Évidemment, si je me trompe de côté, ça va être dur de monter. Hein. Something. S'il vous plaît, monsieur. Ah. Oh. Monsieur, on accueille le héros, s'il vous plaît. Hein. Oh. Il y a un bouton à appuyer ici. Qui est là-bas? Ouh là là. Alors. Warning. Exhaust shaft rotating. Attention. Exhaust system bon. C'est pas vu. Donc là, les portes se sont refermées. Hein. Il va falloir passer par là. Voilà. Hop. Ensuite. Faut pas casser la vitre. La vitre est très bien, très très bien, très très bien. Merde, n'importe quoi. Alors. Ah. Il est dans la tête. Allez, hop, on va se recacher. Donc un hein, time shift, hein, faites ça lentement, sûrement. Ah, je l'ai raté. Voilà, je l'ai eu. Et de deux. Bon allez, on va arrêter de faire les bourreux. Voilà, sans. Ah, il est là. Bonjour monsieur. Au revoir monsieur. Ok, ça c'est bon, on va pouvoir continuer, on va descendre. Voilà. Ah.
Genre le mec il me tirait à travers le mur quoi. Genre il me voyait. Ah attendez. J'ai vu une arme. Ah c'est le pistolet simple ça. Ouais c'est le pistolet simple. Et voilà. Bah franchement le fusil à pompe, le tir secondaire il est très très puissant hein. Vraiment, bah en même temps il tire deux salves au lieu d'une. Mais c'est en fait c'est quand même pas mal quoi. Donc là pour celui-là, hein, c'est facile hein. Hein, ça se voit hein. On arrête le temps. Poum poum poum. Ouh là là. C'est dangereux ça, si j'avais su j'aurais tiré dedans, ça arrive, ça aurait, ce serait allé plus rapidement, j'aurais pas souffert au moins. Bon allez on avance. Alors j'avoue j'ai dit que j'aimais pas cette arme. J'avoue j'ai menti, elle est quand même très puissante. Mais bon, ce n'est pas ma préférée. Ah, on peut appuyer sur le bouton ? Waouh. Ok. Donc nouvelle énigme hein, parce que là en allant derrière ça sert à rien, on est coincé. Donc nouvelle énigme assez simple hein, tout simplement quand vous appuyez. Voilà, vous arrêtez le temps au bon moment et puis vous passez. Voilà. Alors là dans cet endroit faut qu'on monte. Alors si on arrête le temps, imaginons qu'on l'arrête, on peut absolument rien faire. Hein. Puis, de toute façon, les deux endroits servent à rien. Faut le dire. Hein. Donc que se passe-t-il? On peut pas monter. On peut pas sauter puisqu'en fait, on est attiré vers le bas. Vous pouvez voir que l'air arrive vers le bas. Oula, il aime pas quand je fais ça. L'air arrive vers le bas, donc c'est que c'est dans l'autre sens. Et ceci, c'est que si vous sautez, vous allez vous faire démonter la gueule. Ben, c'est très simple. Inverser. Donc, pas qu'on va sauter. Hein. Il suffit d'inverser le temps. Vous allez voir la démonstration tout de suite. On va s'approcher un peu. Voilà. Et ça, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit putain la classe. Oh! Je vais mourir! Oh! Carrément! Oh! Allez, on ralentit le temps. Là, j'ai fait vraiment de la merde, faut le dire. Voilà. Ouf! Ah voilà. Là le jeu il a été très intelligent quand même, j'ai résisté bah, parce que franchement je suis soit en normal soit en facile. Dans tous les cas le jeu là il m'a démonté. Mais c'était bien joué parce que là une fois que je monte j'avais plus de ressources pour modifier le temps. Donc c'était un truc un peu plus difficile. Et voilà, on a fini cette partie-là. Ce fut rapide quand même. Hop. Hop là. Donc, j'ai pas regardé combien de temps ça fait que je joue. Ça doit pas faire très longtemps. Mais enfin, bon, je vais m'arrêter ici. Comme j'ai pas non plus super le temps de faire plein de vidéos. Donc, voilà. C'était une partie du jeu que j'avais bien aimé. Donc, je pense que. J'espère que vous aussi. Hein, mais c'est pas l'énigme dont je pensais. Ce sera peut-être dans ce niveau-là. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à passer sur matest.com et matest.xoid.fr. Gros bisous à tous et à la prochaine.